Accra, capitale de la Gold Coast, est une véritable Babylone noire. Ici se retrouvent des hommes venus de toute l'Afrique occidentale, de Nigeria, du Niger, de Haute-Volta, du Soudan, pour vivre la grande aventure des villes africaines. Dans ces villes, le trafic ne s'arrête jamais, le bruit ne s'arrête jamais. À Accra, la communauté la plus intéressante est peut-être celle des Abrama, des Sonrai et des Djerma, venus de la région de Gao et de Niamey. Ils sont dockers sur le port. Ils sont soumougoulis, smugglers, contrebandiers. Ils sont kaya-kaya, porteurs et manœuvres. Grass boy, fabricants de gazon anglais. Hygiene boys, tueurs de moustiques. Cattle boys, bergers et marchands de troupeaux sur les grands marchés d'Accra ou de Kumasi. Bottle boys, marchands de vieilles bouteilles de bière. Tin boys, marchands de bidons vides. Timber boys, marchands de bois de charpente. Gutter boys, nettoyeurs de caniveaux dans les grandes villes. Gold mine boys, les garçons des mines d'or. Et tout le jour et toute la nuit, dans les bars, Weekend in California, Weekend in Havana, résonnent les calypsos venus des West Indies. Tous les samedis et tous les dimanches, des cortèges parcourent les villes. Ce sont des Yoruba qui célèbrent un mariage. Ce sont des prostituées à Oussa qui font une manifestation contre la baisse des salaires. Ce sont les petites sœurs du Christ qui chantent leur foi dans les rues. Alors, devant ce bruit, devant ces fanfares, les hommes venus des calmes savanes du Nord doivent se réfugier dans les faubourgs de la ville. Et là, tous les dimanches soirs, ils se livrent à des cérémonies que l'on connaît encore très mal. Ils appellent les dieux nouveaux, les dieux de la ville, les dieux de la technique, les dieux de la force, les Hauka. Le quartier général des Hauka est à Accra. C'est le Salt Market, le marché du sel. C'est là que les membres de la secte se retrouvent tous les soirs après le travail, réunis autour de Mukaila Kiri, Mukaila du sel. Ils font mine de lire le journal comme Gerba avec sa chemise à carreaux. Ils viennent jouer aux cartes. Et ceux qui n'ont pas eu de crise depuis une semaine gisent sur les bas-flancs, indifférents à la guitare qui joue pourtant les grands airs des Hauka. Un dimanche matin, dans des camions de louage, dans des voitures particulières, dans des taxis, tous les membres de la secte quittent la ville. Ils abandonnent bientôt la grande route pour prendre cette route qui fut peut-être la première route macadamisée d'Afrique et qui aujourd'hui est envahie par les herbes folles. Puis, il faut, par une marche d'une heure, gagner la concession de Muntieba. Muntieba, un homme du Niger, planteur de cacao, qui est le grand prêtre de tous les Hauka. Les chiffons de couleur sont pendus dans le ciel. Ils s'appellent Union Jack. Et au-dessous se trouve la statue du gouverneur, avec ses moustaches, son sabre, son fusil, ses chevaux. La première partie de la cérémonie est la présentation d'un nouveau. C'est un homme, il est tombé malade il y a un mois. Depuis un mois, il a des crises continuelles. Il couche dans les cimetières, il déterre des cadavres. Les hommes savent simplement qu'il est possédé par un Hauka. Et Mukaila Kiri, avec son chapeau mou, veille sur lui. Il n'a pas le droit encore de porter un casque. Dans deux mois, trois mois peut-être,
Il sera initié quand il le demandera. Mais pour le moment, c'est la simple présentation. Il sort avec deux fusils de bois, qu'il claque pour imiter les détonations. Et il menace les anciens. Aussitôt, ceux-ci sont pris d'un début de crise. Il faut saluer le nouveau. Et l'un d'eux, croyant que c'est l'initiation qui commence, se précipite sur le nouveau pour le battre, car c'est ainsi que se fait l'initiation. On les sépare, mais le nouveau est très mal en point. La présentation est finie. Un nouvel Union Jack a été mis dans le ciel par Muntieba. La deuxième partie de la cérémonie, c'est la confession publique. Autour de l'autel de béton armé, les Haoukas qui sont coupables doivent s'accuser. Celui-ci s'accuse. J'ai eu des relations sexuelles avec la femme d'un de mes camarades. Depuis 2 mois, je suis impuissant. Celui-ci dit, je ne suis jamais parfumé, je ne me lave jamais, je suis sale, je ne suis pas élégant. Celui-là dit, je me moque des Haoukas, je dis quelquefois qu'ils n'existent pas et que je n'appartiens pas au groupe. Les amendes sont données, un bélier et un poulet. Au coup de sifflet, les Haoukas se rassemblent en ligne sur 2 rangs, les punis d'un côté, ceux qui ne sont pas punis de l'autre. L'un des aides de Muntieba, tenant l'un des poulets du sacrifice, secoue son bras d'arrière en avant pour dire aux dieux, nous te donnons ce poulet, ni devant, ni derrière, mais au milieu. Le sang est versé sur l'autel de béton armé et sur une termitière peinte en noir et blanc, le palais du gouverneur. Et les punis viennent faire le grand serment sur l'autel imbibé de sang. Nous jurons de ne pas recommencer. Si nous recommençons, nous demandons à notre Haouka de nous punir par la mort. Les punis sont conduits hors de la concession. Il faudra qu'ils soient possédés pour pouvoir revenir dans le cercle sacré. Pour parfaire la purification, Muntieba fait une libation de djinn. Il arrose les arbres sacrés, les perches de l'Union Jack et la termitière du palais du gouvernement. Sur le palais du gouvernement, il y a le télégramme-lettre, un programme de cinéma, la marque de Zorro. Au-dessus, il y a le secrétariat général, là où Muntieba garde les œufs des sacrifices. Et gardé par une sentinelle, Muntieba casse ses œufs sur les marches et sur les balcons du palais du gouvernement. Il est 10h du matin. Il pleut. Un violoniste est venu avec son violon monocorde et joue les airs des Haoukas. Les hommes attendent. Et Muntieba s'est endormi la tête contre le palais du gouvernement. Ce qu'ils attendent, c'est un chien. Pourquoi un chien? Parce que justement, c'est un interdit alimentaire total. Si les Haoukas tuent et mangent un chien, ils montreront qu'ils sont plus forts que les autres hommes noirs ou blancs. On prépare les fusils, les écharpes rouges de commandement. Et tout est rassemblé autour de l'autel du sacrifice. Alors, la danse commence. C'est Muntieba qui ouvre la danse, car il faut que tous les Haoukas soient possédés. Les sentinelles entourent les danseurs. Ils tiennent les fusils de bois ou des cravaches faites avec des courroies de ventilateurs de camion. Ah,
Yerba, l'un des Cuny, entendant la musique, veut se mêler au cercle des danseurs. Mais il n'a pas le droit d'être là, puisqu'il n'est pas encore possédé. Et Munkieba le chasse vers la brousse. L'impuissant aussi est chassé. Et des sentinelles sont placées tout autour de la concession. Claquant les fusils de bois, elles interdisent l'entrée des punis. D'autres sentinelles tiennent sous leur feu ceux qui vont être possédés, dans la position du tireur debout ou du tireur couché. Et la possession commence. Lentement, par le pied gauche, puis par le pied droit, elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Et le premier possédé se lève. C'est Capral Gardi, le caporal de garde. Il salue tout le monde. Puis, il demande du feu. Du feu, pour se brûler, pour montrer qu'il n'est plus un homme, mais un haouka. Devant ces saluts, un nouveau possédé se met à hurler. C'est Gerba, l'un des punis qui est dans la brousse. Gerba, qui est possédé par le haouka Samkaki, le conducteur de locomotive. Retroussant ses shorts, et le conducteur de locomotive va ramasser tous les fusils pour les porter sur l'autel du sacrifice. Le caporal de garde a reçu des écharpes rouges de commandement. Et le troisième possédé se lève, c'est Captain Malia, le capitaine de la mer Rouge, qui marche en faisant le slow march, la marche de parade de l'armée britannique. La locomotive a reçu aussi ses écharpes de commandement. Et voilà le quatrième possédé, Madame Locotoro. Madame Locotoro, la femme du docteur. Madame Locotoro minaude et reçoit une robe de femme. Le caporal de garde continue ses saluts empressés. Et la locomotive fait l'aller-retour entre le palais du gouvernement et la pierre de sacrifice. D'autres possédés sont en train de venir. Voici lieutenant Malia, le lieutenant de la mer Rouge. La respiration devient difficile. Les yeux se révulsent. À côté, c'est le gouverneur qui est en train de venir. Le lieutenant appelle à l'aide. Mais c'est le caporal de garde qui vient aider le gouverneur. Le gouverneur est debout. Il parle français, il insulte tout le monde. Il appelle son lieutenant et son lieutenant lui fait signe, il dit « Je t'entends, mais je ne suis pas encore arrivé. » Et le lieutenant vient saluer son gouverneur. Une femme est tombée sur le sol. C'est la Magasia, l'une des reines des prostituées d'Accra. Elle est possédée par un génie femme, Madame Salma. Madame Salma, c'est la femme du lieutenant Salmon, l'un des officiers français qui vint le premier au Niger à la fin du siècle dernier. Madame Salma a reçu la robe et le casque colonial. Elle va faire l'inspection de la nouvelle statue du gouverneur. Puis le lieutenant casse un œuf sur la tête du gouverneur. Pourquoi un œuf? Pour imiter le plumet que les gouverneurs britanniques
portent sur leur casque. Car le voilà, le véritable gouverneur. Au Trooping the Colors, de l'ouverture de l'assemblée à Accra. Canonton est dans cette foule. Il y a des Aouka qui sont venus ici pour chercher leur modèle. Et si l'ordre est différent, ici et là, le protocole est bien le même. L'état-major se réunit pour l'inspection du palais du gouvernement. Caporal de garde se tient à l'entrée et le gouverneur et le lieutenant viennent voir si le bâtiment a été peint à neuf. Muntieba, qui en est responsable, est inquiet. Si le gouverneur se plaint, il aura une amende, un mouton, un bœuf peut-être. Et le gouverneur est satisfait. Cet homme vêtu de bleu est possédé par le général. Le gouverneur insulte le général et le capitaine dit: moi, gouverneur, je vais aller chercher le général. Le général, furieux, fait une petite colère. C'est toujours pareil, dit-il. On ne veut jamais m'écouter, moi, général. Le gouverneur s'approche et l'invite à un round table conference, une conférence de la table ronde. Le général demande son ordonnance. Le soldat Tiemoko s'assomme à moitié, se relève et vient présenter ses devoirs à son général. Et de brousse arrivent les derniers possédés. Le secrétaire général, Maimota, le chauffeur de camion. Commandant Mougou, le méchant commandant. Le méchant commandant vient présenter ses respects à son général qui lui dit: brûle-toi comme les autres. Et le gouverneur lui dit: montre que tu es vraiment le commandant méchant. Et le commandant prend une torche si petite que le général l'insulte. Il demande que l'on apporte une torche plus grande. Le commandant la prend, il met le feu à sa chemise de rayonne, on est forcé d'éteindre le méchant commandant. Et le gouverneur réunit une nouvelle conférence à la table ronde. C'est la conférence du chien. Tous les Aouka maintenant sont venus. Il faut sacrifier le chien, il faut le manger. Le capitaine voudrait faire le sacrifice. C'est l'homme tranquille, Mukaila Kiri, qui va quand même égorger la bête pour éviter qu'il y ait des accidents. Et le gouverneur dit: tenez-vous sage. Et le général dit: tenez-vous sage. Mais la bête est à peine égorgée que des Aouka se précipitent pour boire directement le sang à la gorge ou pour lécher la pierre. Alors, Madame Docteur, commence le dépeçage. Le capitaine va mettre des estafettes et demande la réunion d'une nouvelle conférence. Car il s'agit de savoir si ce chien sera mangé cru ou cuit. On ne m'écoute jamais, dit le capitaine. C'est toujours la même chose. Il insulte ses soldats et réussit quand même à réunir la conférence. Le capitaine dit au gouverneur: il faut cuire ce chien pour que l'on puisse apporter les morceaux à ceux qui n'ont pas pu venir. Maimota, le chauffeur de camion, se propose d'amener le chien. Mais le gouverneur dit: Hauka, regardez, je vais vous montrer comment on découpe un chien avant de le cuire. Le méchant commandant donne des conseils au gouverneur qui n'en a pas besoin. Alors le méchant commandant s'adresse à Mukaila Kiri, l'homme tranquille. Il lui dit: il faut que l'on ramène des morceaux de viande pour
pour les hommes d'Accra qui ne sont pas venus. Il faut que l'on ramène du bouillon de ce chien dans des bouteilles de parfum vides. Et la locomotive continue ses allers-retours entre le palais du gouvernement et la pierre de sacrifice. Dès que la marmite est bouillante, les Aoukas, qui ne craignent ni le feu ni l'eau bouillante, plongent leurs mains directement dans le chaudron pour prendre les morceaux de chien. Le méchant commandant a le meilleur morceau, la tête. Mais la locomotive l'aperçoit et lui croque une oreille. Les boyaux aussi sont très recherchés. Et les Aoukas se disputent pour en avoir les meilleurs morceaux. Des morceaux de viande sont enveloppés dans des feuilles de bananier. Des bouteilles de parfum vides sont remplies de bouillon de chien. Il est tard. On a loué les taxis et les camions à la journée. Et si la fête ne se termine pas avant la fin de la journée, il faudra payer le tarif de nuit. Alors, un à un, les Aoukas s'en vont. Les aident, les guident vers le palais du gouvernement où se termine leur crise. Mais Gerba, la locomotive, ne veut pas partir. On l'a déshabillé. Il est toujours là. Il appelle Mukaila. Il dit, Mukaila, Mukaila, la fête de cette année a été très bien. L'année prochaine, il faudra faire deux fêtes comme cela dans l'année. Et nous, les Aoukas, nous serons très contents. Et c'est ainsi que de cérémonie en cérémonie, le rituel se fixe et s'établit. Puis la locomotive elle-même s'en va et la nuit tombe. Sur ses chiffons rouges, ses vêtements souillés, sur le palais du gouvernement. Le lendemain, nous sommes allés voir les Aoukas à Accra. Sur le marché du sel, règne l'homme tranquille, Mukaila Kiri. Et les Aoukas arrivent l'un après l'autre. Voilà commandant Mougou, qui reprend avec Mukaila peut-être l'un des dialogues de la veille. Mais aujourd'hui, le commandant Mougou n'est plus impuissant et sa bonne amie est toute contente. À côté se réunit une nouvelle conférence de la table ronde. Mais cette fois-ci, il ne s'agit plus de savoir si l'on mangera un chien cru ou cuit, mais simplement de jouer aux cartes. Madame Locotoro, la femme du docteur, nous l'avons rencontrée chez Punjabi. Madame Locotoro est magasinier. C'est un garçon peut-être un peu efféminé qui use beaucoup de vaseline pour cheveux, mais c'est un excellent vendeur. Le caporal de garde possède trois camions. Il a le monopole de la vente des gravillons aux travaux publics d'Accra. Le lieutenant d'ordonnance est voleur à la tire. Il guette ses clients sous les arcades de la CFAO. Le général, dans le civil, est simple soldat. Et par un hasard extraordinaire, c'est devant le Mental Hospital, devant l'hôpital psychiatrique d'Accra, que nous trouverons l'état-major. Le gouverneur, le conducteur de locomotive, le conducteur de camion. Ils sont employés aux Waterworks, aux travaux d'adduction d'eau de la ville.
Ceux qui étaient punis comme Gerba se sont rasés les cheveux. Ils ne sont plus impurs. Et en voyant ces visages souriants, en apprenant que ces hommes sont peut-être les meilleurs ouvriers de l'équipe des Waterworks, en comparant ces visages avec ces visages horribles de la veille, on ne peut s'empêcher de se demander si ces hommes d'Afrique ne connaissent pas certains remèdes qui leur permettent de ne pas être des anormaux, mais d'être parfaitement intégrés à leur milieu. Des remèdes que nous ne connaissons pas encore.